Hey, salut les amis, c'est Harmonium, j'espère que vous allez tous super bien, on se retrouve sur Marvel Avengers, petite vidéo pour vous montrer comment Pex rapidement. Donc prérequis, il vous faudra Black Widow, puis avancer un petit peu dans ses missions qui lui appartiennent à elle. Et ensuite, vous devez aller dans l'Arctique septentrional. Là, vous avez sa mission, sa deuxième mission d'ailleurs, donc obtenable très rapidement. Ensuite, puissance de mission, bah, que 40, il faudra quand même avoir un peu de puissance sur le personnage pour pouvoir la lancer. Bon, pour vous montrer, voilà, ma Black Widow est vraiment très très bas level en tout cas. Je vous la montre tout de suite. Voilà. Donc elle est niveau 8, 28 de puissance, ça suffit pour la lancer. Après, vous mettez bien sélectionné le héros compagnon, vous prenez le héros que vous voulez pex. Hein. Même si c'est une mission à elle, vous n'êtes pas obligé de jouer Black Widow. Hop, donc là c'est nickel. Ensuite, vous lancez la mission, vous allez voir, c'est extrêmement rapide, extrêmement facile à faire. En fait, vous allez avoir un mob à tuer. Dès que vous le tuez, vous voyez le petit marqueur qui apparaît du point de passage. Il vous suffit de relancer le point de contrôle. On va monter niveau 50 dans cette vidéo pour vous montrer rapidement. Ça va être très rapide. Vous allez atterrir sur l'une des rares entrées menant au réseau sous-marin de l'AIM. Il faut que Jarvis infiltre les systèmes de sécurité de l'AIM pour les empêcher de prévenir qui que ce soit de notre arrivée. Donc, du coup. J'imagine que c'était une métaphore, dans la mesure où je n'ai pas de présence physique et je ne peux donc pas voyager. Super stylé au fait, hein, Black Panther, hein. Vraiment super bon personnage. Donc là, on y va. Ouf, attention, il y a un petit drone à tuer qui rend invulnérable le mob. Donc, faites gaffe, quoi. Voilà, il est ici le drone. Donc, utilisez toutes vos compétences, hein, n'hésitez pas. Donc l'adaptoïde, il faut le défoncer, donc go focus cette bestiole là, hein. Pas très compliqué. Hein. Voilà. Maintenant il est mort, vous attendez que le petit marqueur blanc apparaisse, attention, hop, dernier point de contrôle. Faites-le parce que sinon vous allez devoir relancer la mission. Regardez l'XP qui est augmenté à droite. Voilà, donc ça pexe très vite. Hein. Et vous recommencez. Encore et encore et encore. On va monter niveau 50 dans cette petite vidéo, ça ne devrait pas être bien long. Pour vous montrer la rapidité du truc, quoi. Bon, attendez, faut que je tue le drone, là. Ça, il est chiant, lui. Hein. Voilà, c'est bon, maintenant que c'est fait, on est pépère. Parce que le drone, il rend vraiment invulnérable les mobs, hein. Là, je suis bientôt plus invulnérable, donc il faut en faire un petit peu attention. Allez. Un petit coup de grâce. C'est bon, on l'a eu. Ouais, super. On attend que le petit marqueur apparaisse. Dernier point de contrôle. Donc c'est un peu redondant à faire, mais c'est la méthode la plus rapide que j'ai trouvée sur ce jeu-là. Franchement, il n'y a pas plus rapide que ça. Là, vous avez une récompense de mission pratiquement en termes d'XP en quelques minutes, quoi. En plus, n'hésitez pas, là, il y a un bonus double XP qui est actuellement disponible. Donc très pratique pour pex un personnage. Allez, on fatale. Mais c'est pas long, hein, franchement. On attend un petit peu. Hop, niveau supérieur déjà. On est niveau 49 normalement. On va regarder ça ensemble. Voilà, niveau 49. Regardez, ça déjà pexe un petit peu déjà. Compétences, on va prendre. De toute façon, maintenant on va tout prendre. Hein. Hop, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'il me reste à prendre du coup? Alors, pas ici. Tiens, ça, j'y ai pas pris. On va quand même prendre un truc utile. Qu'est-ce que c'est ça? On est l'utilisation de ruée et ça, on va plutôt prendre ça. Coup fatal lourd. Allez hop. Mais il va me falloir un moment avant d'accéder aux commandes de la. Après j'ai fait un de pex mon Iron Man. Mon Thor, toujours mon perso principal que j'avais déjà niveau 50. Je vais pex quand même pas mal de perso, je pense, ouais. Vu qu'il y a double XP, là ça vaut le coup de farm. Donc
Gros avantage du Black Panther, c'est qu'il peut monter sur les grosses cibles. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort. Allez, une lance dans les dents. Dernier point de contrôle. Alors après, sur PS5, il n'y a pas trop de temps de chargement, donc ça, c'est quand même très agréable. On n'aura jamais vraiment des vies normales. Je m'emploie à tout décrypter, mais il va me falloir un moment avant d'accéder aux commandes de l'ascenseur. Est-ce que le drone va être détruit là-bas? Oui. Tant mieux, parce que le drone, il est chiant. Lui. Allez, hop, fatalité. Une petite lance. On relance le petit point de contrôle. Voyons un peu comment manœuvrer cet ascenseur sous-marin. On n'aura jamais vraiment des vies normales. Je m'emploie à tout décrypter. Mais il va me falloir un moment avant d'accéder aux commandes de l'ascenseur. On va détruire le petit drone ici. Fatalité. Donc même si vous voyez pas l'XP qui apparaît tout de suite, faites comme dernier point de contrôle. Hein. Des fois l'XP apparaît un petit peu après. Si vous attendez trop longtemps, vous allez du coup devoir relancer la mission parce que le point de contrôle après il a changé quoi. Bon, on va essayer de tuer cette saloperie là. Voilà, ça s'est réglé. Et là, normalement, niveau maximum. Et après, il y a les points de champion aussi à monter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, cette petite compétence que j'ai pas, elle est ici. Et voilà, niveau max pour Black Panther. Donc voilà, petite mission pour vous montrer comment pex rapidement un personnage. Donc après, vous pouvez changer de personnage, prendre Iron Man, Thor, qui vous voulez. Et ça monte très vite, hein. En même pas une heure, vous êtes niveau 1 à 50 direct. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée les amis, ciao ciao.